Bonjour. Alors mon conseil est dédié à la classe virtuelle. Pour garder le fil, pour mettre du rythme et pour gérer la classe, j'utilise un diaporama fil conducteur. Ce diaporama est transformé en PDF pour que la mise en forme soit conservée et placé dans les fichiers de la classe virtuelle. Je l'ouvre avant l'arrivée des élèves pour qu'ils voient tout de suite les consignes de la première diapo et avec un petit rituel en fait pour tester le micro et se dire bonjour. Suite à des intrusions, je propose maintenant à des élèves de prendre le rôle de modérateur. Comme ça va leur permettre, si besoin, de m'aider à retirer de la session les personnes extérieures. La suite des diapos me rappelle toutes les étapes. Il me permet aussi des interactions, comme leur demander si tout va bien ou encore leur demander un retour sur le contenu du travail réalisé dans la semaine. Alors pour ça, j'ai un petit tableau, points positifs, points négatifs. Et moi, ça me permet ensuite de modifier un certain nombre de choses. À la fin du diapo, les consignes pour la semaine suivante sont données et on peut se dire au revoir.